Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Pauvignin et je fais carnaval depuis 70 ans. Mon père m'a appris à l'âge de 7 ans de venir chez lui pour faire le papier et tout. Le moulage et tout, des petites mains qu'il n'aimait pas trop faire parce que c'est petit, c'est ma... Alors c'était moi et puis j'ai pris la passion là-dedans et j'ai toujours fait ça. J'étais avec mon grand-père et il faisait des grosses têtes, mon grand-père. Et de là, j'ai accompagné les groupes avec lui. Et tout petit, j'ai toujours été là-dedans. Alors le carnaval, c'est une passion pour moi. Parce que j'ai la chance d'avoir mes enfants et mes petits-enfants avec moi et c'est ce qui me fait plaisir d'être là-dedans. Et j'ai toujours vécu que le carnaval, moi. C'est une satisfaction personnelle et énorme pour moi, hein, parce que je leur ai pas demandé de venir m'aider et tout. Mon fils, l'aîné, était architecte et il a voulu arrêter pour venir m'aider et faire le carnaval parce qu'il adore et il a une passion plus forte que moi même, à la limite. Mes deux enfants, c'est incroyable. Et les petits-enfants viennent quand même. J'ai deux filles, deux petites filles et trois garçons. Et les cinq participent. Et j'ai mes belles filles aussi qui sont là. Une, elle fait les costumes pour le roi, la reine et tout. Et une, elle s'occupe du personnel et tout avec. Et c'est énorme. Avant le corso, on a toujours le choix de voir sortir nos chars de la maison du carnaval et tout. Et de les présenter au public et que ça leur fasse plaisir, et c'est énorme pour nous. C'est la joie, hein, pour nous, c'est ça la réalisation. Chaque année, j'accompagne Sa Majesté Carnaval sur le corso et tout. Et après, il y a les autres chars qui nous suivent derrière et de ce qu'on a fait nous. On a fait 8 chars cette année. Je tourne autour du char, voir les mouvements, à des endroits où on passe juste, tout ça, on regarde s'il n'y a rien d'anormal ou quoi. On guide le chauffeur aussi parce qu'il y a des endroits où il ne voyait pas tellement. Moi, je vis le carnaval depuis toujours et j'adore et je ne sais pas quoi dire d'autre que de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens. Le public vous le rend hein, automatiquement par les applaudimètres et tout ça. Et on le voit qu'ils sont contents de voir ce qu'ils regardent et tout. Et pour nous, c'est une fierté. Bon, avant tout, c'est ça. Moi, c'est ce que je veux voir.